Salut, c'est Lino et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet sensible, d'un sujet qui divise, l'avortement. Et je voudrais vous parler tout particulièrement d'une initiative que j'ai découverte récemment. Il s'agit de l'initiative SOS Maman Solo de Baptiste Marché. Je voudrais vous parler de tout cela parce que cette initiative m'a ouvert certaines pistes de réflexion que je souhaiterais partager avec vous rapidement. Alors comme vous le savez, le sujet de l'avortement, c'est quelque chose, comme je le disais, d'assez sensible, surtout à droite, tout comme l'euthanasie par exemple. Et c'est d'ailleurs assez intriguant de voir à quel point les frontières précédant et suivant la vie sont des thématiques aussi sensibles. Je fréquente moi-même des conservateurs, des réactionnaires et des gens de droite en général, et ce sont des sujets qui suscitent beaucoup de débats, particulièrement l'avortement. Et on va pas se mentir, globalement, les gens, ils sont relativement hostiles, à droite, hein, à tout le moins. L'hostilité à l'avortement fait vraiment partie de l'idiosyncrasie des gens de droite. Cependant, j'imagine que vous vous rendez bien compte que dans le monde dans lequel nous vivons, être opposé à l'avortement, être frontalement contre l'avortement, au point de vouloir l'interdire ou de très grandement le limiter, contre-productif et pose tout un tas de problèmes, des problèmes de désalignement avec les valeurs du monde actuel, mais aussi des problèmes qui touchent à des choses un peu plus profondes comme la liberté individuelle des mères. Dans la France de 2024 et dans l'Occident en 2024 en général, l'avortement est un fait. Voilà. Je dis cela sans émettre aucun jugement moral. L'avortement est un fait et il est massif. Je ne vais pas rappeler les tristes chiffres, notamment ceux de la France, ils sont connus. Et donc, face à cette question, il y a deux approches possibles, l'approche négative et l'approche positive. J'appelle l'approche négative celle qui vise à limiter les possibilités d'action et l'approche positive celle qui consiste à augmenter les capacités d'action. On pourrait aussi utiliser les termes approche restrictive et approche constructive. Les gens de droite sont quasi exclusivement dans l'approche négative. Face aux enjeux de l'avortement, ils n'évoquent que des mesures de coercition, d'interdiction. Et quelque part, c'est logique. Il est logique que des individus qui considèrent le fœtus comme un être vivant, comme un être humain, aient des affects si forts face à leur disparition, que cela les pousse vers des positions radicales. C'est humain. Et j'ai longtemps moi-même été victime de cela, tout en sachant inconsciemment que les approches négatives avaient la grande faiblesse de braquer tout le monde, d'invisibiliser des solutions constructives et bien souvent de culpabiliser des personnes qui, la plupart du temps, étaient victimes de situations difficiles et n'avaient pas besoin de cela. Et pire, ces approches coercitives parfois augmentaient les souffrances des femmes. Et donc, ne trouvant pas de solution face à ce qui me paraissait être une impasse, j'essayais de ne pas trop m'arrêter sur ce sujet. Tout juste déplorais alors que, tout de même, c'est dommage que les naissances sous X soient totalement invisibilisées, que la société essaye de faire disparaître cette solution qui pourtant était une solution constructive, respectant le vivant et le choix des mères. Et puis, j'ai découvert la proposition de Baptiste Marché, qui, en prenant exemple sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, consiste en la création d'une structure d'aide pour les mères ayant des difficultés et envisageant l'avortement. Avec notamment la création d'un réseau d'entraide de mamans, les expérimentés donnant courage, conseils et soutien à celles qui doutent de leur capacité d'aller au terme de leur grossesse. Quand j'ai découvert cette initiative-là, les choses sont devenues définitivement claires pour moi. C'est ce genre de solutions positives qui sont les meilleures. Alors certes, elles ne sont pas radicales. Elles ne satisferont pas les poseurs de droite qui se délectent de baigner dans une posture radicale. Mais elles ont le mérite, compte tenu de notre monde, d'être réalistes, pragmatiques, non coercitives. Mais au contraire, des forces positives, des forces de construction. Alors, plutôt que de lutter contre l'avortement agressivement et frontalement, aidant les mères à garder leurs enfants. Si vous êtes réellement sensible
à la question de l'avortement, ce genre d'initiative ne doit pas être ignoré et doit être soutenu. L'efficacité est tout ce qui compte. Cela compte bien plus que les signalements de vertu de droite ou de gauche, induisant des positionnements politiques en faveur ou contre l'avortement. Certains diront que ce projet est trop conciliant. Mais le but, ce n'est pas d'ignorer la réalité, c'est de la transformer. À l'heure où j'écris ces lignes, le projet de financement de SOS Maman Solo est à 30 000 euros sur 50 000 de financement. Je ne peux que vous encourager à faire comme moi, c'est-à-dire à faire un don pour soutenir ce projet et en parler à tous ceux qui se sont concernés par le sujet, indépendamment de leur positionnement politique. Je sais que Baptiste Marché peut avoir une image négative chez certains, qu'il a pu faire des choses par le passé qui peuvent être discutables, mais qui est irréprochable? Et surtout, qui lance ce genre de projet en France? Nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui a l'esprit d'entreprendre et de se lancer dans ce lourd projet. Il est important de soutenir ce genre de projet et de soutenir les personnes qui font ce projet. Normalement, ce projet devrait être financé depuis bien longtemps. Je constate que c'est toujours pas le cas. Alors s'il vous plaît, aidez ce projet. Je mettrai en description de cette vidéo le lien Spotfund pour faire un don à l'initiative de Baptiste Marché. Et je conclurai cette vidéo par la vidéo promotionnelle du projet présentée par Baptiste Marché. Voilà. Merci de votre attention. En France, chaque année, 230 000 femmes ont recours à l'avortement. Et ce chiffre augmente tous les ans. Il y a une étude qui est sortie en 2016 qui a prouvé qu'il y a un lien direct entre le niveau de vie et les femmes qui ont recours à l'IVG. Beaucoup d'entre elles expliquent qu'elles ont fait ce choix par dépit, parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers ou parce qu'elles n'ont pas l'entourage, des mamans seules, un manque familial, etc. C'est pourquoi nous lançons le projet SMS pour SOS Maman Solo. Notre but, c'est de créer un réseau associatif basé sur le modèle américain. On veut mettre en place un numéro de téléphone sur lequel un simple SMS peut permettre à ses futures mamans d'être contactées. À ce moment-là, on va mettre en place tout un encadrement. Une maman volontaire va être désignée comme marraine et va aider la future maman dans toutes ses démarches, mais aussi l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, etc., etc. On mettra en place également une aide financière s'il y en a besoin. Pour mettre en place tout ça, on a besoin de vous et on lance une levée de fonds aujourd'hui. Nous essayons d'avoir 50 000 dollars. Je dis bien dollars et pas euros parce qu'on a fait le choix de faire un fundraising aux États-Unis pour éviter la censure de l'État français. Le lien de la cagnotte est dans la description de ce réel, dans ma bio Instagram ainsi que dans ma story. S'il vous plaît, partagez-le autour de vous. Tous les dons sont les bienvenus. Nous voulons essayer d'être opérationnels le plus tôt possible. Alors nous avons besoin de moyens financiers, mais nous avons également besoin de moyens humains. C'est pour ça que vous pouvez nous contacter sur projet.sms@outlook.com si et seulement si vous êtes une maman et que vous voulez être volontaire pour ce projet. On a besoin de tout un réseau de mamans à travers la France, également de porte-parole, etc. Toutes les candidatures sont les bienvenues. Si vous êtes maman, que vous êtes en France et que vous voulez nous aider, envoyez-nous un mail. Je vous répète, tous les dons sont les bienvenus, même 1 euro, c'est très bien. Et surtout, ce qui est important, partagez ça autour de vous. On veut essayer d'aller le plus vite possible pour pouvoir commencer à travailler tout de suite. Merci à tous ceux qui partageront et à tous ceux qui donneront. Dieu vous bénisse.